Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous faire part d'un problème à retrouver lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous pour renouveler votre titre de séjour en sous-préfecture de Saint-Denis. Maintenant, ça peut être à Bobigny, ça peut être au Récy. Maintenant, lorsque vous rencontrez ce problème, ne vous fracassez pas la tête. Ce qu'il faudra faire, il faudra juste fermer le navigateur et puis essayer demain ou plus tard. C'est un problème rencontré. Ce n'est pas vous la plupart du temps. Là, ça, c'est le service. Donc, ne vous fracassez pas. Il suffit de patienter. Et surtout, si vous êtes dans le cas, vous devez prendre une capture d'écran pour signaler ce problème pour ne pas avoir des soucis. Parce que bon, j'ai l'impression que les gens jouent avec les problèmes. C'est autre chose. Donc là, vous lancez votre navigateur, peu importe. Ok, je vais supposer que je vais prendre rendez-vous en sous-préfecture du Bobigny pour renouveler mon titre de séjour salarié ou autre. Vous tapez Google, vous arrivez ici, vous faites prendre rendez-vous. Donc moi je vais prendre ceci, c'est là que j'ai rencontré le problème. Vous allez ici, vous savez comment ça se fait. Voilà, et vous avez ici, et vous allez dans pour prendre rendez-vous, par exemple, là c'est Bobigny et Saint-Denis. Je vais dire que je vais renouveler salarié, par exemple, et là je fais prendre rendez-vous. Vous rencontrez ce problème-là, erreur serveur, erreur 500. Nous mettons tout en œuvre pour rendre le service disponible. Veuillez revenir plus tard. Ok, internet serveur erreur. Donc vous avez ceci. Lorsque vous avez ceci, ce qu'il faudra faire, donc vous avez l'erreur qui est là, donc vous ne devez pas forcer de toute façon, ça c'est pas vous, c'est le serveur de la préfecture qui a un souci. Maintenant, il faut savoir sur votre ordinateur si tout est sécurisé ou pas. Moi, je vais certifier ceci, donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour certifier ceci, je vais me rendre sur un. Je vais prendre mon téléphone, parce que bon, on ne sait jamais, parce que les gens. Je sais pas ce qu'ils font. Je vais aller certifier ça sur un autre appareil pour voir si c'est pas mon ordinateur qui a été filtré ou qui est en train d'être surveillé. Je vais faire ceci, voir. Et parfois, si vous avez cette erreur, vous, ce qu'il faudra faire, ben, c'est. Voilà. Vous devez juste revenir plus tard. Simplement ce qui est dit ici, là. Pour pouvoir suivre. Donc, je vais encore recertifier ça sur un autre appareil que je pense que lui, en termes de sécurité, c'est mieux. Je vais voir. À la fin de ce tutoriel, je vais vous certifier est-ce que c'est un problème qui est, je vais dire, Bobigny. Donc, je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Surtout, lisez ce qui est écrit ici, là, cette erreur. Si vous rencontrez, vous devez juste revenir plus tard. Je vous prie de vous abonner, merci. Dans pas longtemps, je vais vous dire est-ce que c'est quelque chose de vrai ou. Bon, si c'est dû à mon appareil, donc il va falloir que j'aille. Faire le nécessaire. Ce problème, je l'ai rencontré en sous-préfecture de Saint-Denis. D'accord? Donc là, je suis en train de vérifier. Lorsque c'est comme ça, ne vous fracassez pas la tête parce que vous ne pouvez rien faire. À part attendre qu'ils mettent le service en place. Parfois, ça peut arriver que vous avez ce problème-là. Ben ouais, c'est un problème exactement qui se trouve sur le serveur en fait de la préfecture. Donc n'y forcez pas trop. Ils vous disent bien qu'ils vont mettre ils mettent tout en œuvre pour résoudre ce problème. D'accord? Voilà. Donc je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. À plus pour d'autres tutoriels. C'est un problème qui est vraiment récurrent. Donc si je vais, par exemple, je vais certifier ça encore une fois. Donc là, on était à Saint-Denis. Donc on va à Bobigny. Je vais voir si c'est
tout le service qui est impacté. Donc là, on est à Bobigny, ok? Donc on va faire ceci. Voilà, c'est tout le serveur qui est impacté. Donc du coup, vous devez attendre. Là, ils sont en train de mettre faire le nécessaire. Je rappelle, là, vous êtes à Bobigny. Bobigny. Et on va tester ainsi. Voir. La solution, c'est de ne pas forcer, c'est de laisser les techniciens travailler pour résoudre ce problème. Et évidemment, prendre des captures d'écran pour vous dire que si par exemple vous devez prendre rendez-vous aujourd'hui, ben vous étiez sur le site, il y a eu un problème, ça ne vient pas de vous, comme ça, toutes les choses vont être correctes. Donc, c'est voir. Eh bien, ouais. Un titre de séjour. Voilà. C'est le même problème partout. Donc, ne forcez pas, je prie de vous abonner et à plus pour d'autres tutoriels. Donc, moi, je vais prendre une capture d'écran qui est basique. Si je vous dis de faire, donc, je dois pouvoir faire. Hop. Ici, je vais dire capture d'écran. Je prends souvent avec cet outil-là parce que je peux. Une des raisons pour laquelle je pratique ça, parce que je peux recadrer. Je fais ceci et je prends là où j'ai trouvé l'erreur, là. Et voyez. Là, j'ai un petit problème avec la barre des tâches qui disparaît et qui n'apparaît pas. Donc là, je vais paramètres de la barre des tâches. Alors, vous avez vu, ça disparaît et ça n'apparaît pas lorsque je veux. Donc je vais le modifier. Ah ouais, là je dois activer le PC pour pouvoir. Ok, c'est pas un problème, je vais voir ça. Voilà ce que je veux faire, par exemple ça. Là c'est bon, la raison que c'est bon. Je fais nouveau. Hop, et là j'ai ceci qui apparaît et je prends cette partie-là que je vais mettre. Vous devez faire le même. Pourquoi? Parce que, comme preuve, vous êtes connecté. Voilà. Là, j'ai ma capture d'écran et que je peux venir enregistrer ici. OK. Là où il y a un petit logo, là où vous faites enregistrer, vous donnez un nom et surtout à la capture problème juste pour bon, je vais mettre bon, ok, c'est bon et c'est bon et voilà. Donc là je peux faire ce que je veux, par exemple, faire un petit montage. Qu'est-ce que je pourrais voir? Écriture tactile, je vais voir si je fais. Je vais voir si je peux pas mettre. Je peux pas mettre des emojis, si je peux. Sinon, je peux faire uniquement une flèche. Une flèche, mais cette fois-ci, je vais changer la couleur. Boum. Et je prends ceci et je mets ceci, je mets ceci, ça, et là je vais mettre ça en capture d'écran. Ok, c'est bon, et je vais enregistrer ça encore une fois. Voilà, qui va me demander, oui, je modifie pour enregistrer la flèche que je vais mettre. Donc voilà, c'était tout. Donc ne vous fracassez pas la tête, c'est un problème qui vient de la préfecture.